Des milliers d'euros et d'importantes quantités de bijoux découverts sur le vol d'Alger-Dubaï. Air Algérie au cœur d'un nouveau scandale. La compagnie aérienne nationale Air Algérie est au cœur d'un nouveau scandale qui ne manquera pas de défrier la chronique. Hier dimanche 24 octobre, le vol Alger Dubaï a été ralenti et perturbé par la découverte d'un sac contenant d'importantes quantités de bijoux et d'une somme considérable en euros estimée à plusieurs milliers, voire jusqu'à 300 000 euros, confie des sources sécuritaires à Algérie par. Le vol était en finalisation de préparation mais les passagers n'avaient pas encore embarqué. Le membre du personnel navigant en charge de ce vol finalisait les préparations avant de commencer à embarquer les passagers. C'est à ce moment-là qu'une hôtesse de l'air a identifié un sac suspect. Elle a secoué le sac qui était bien fermé et bien scellé. Pensant qu'il s'agit d'un colis, suspect contenant éventuellement des explosifs, l'hôtesse prend peur et alerte les services de sécurité pour les appeler à intervenir. La police aux frontières, PAF, a suspendu rapidement l'embarquement des passagers et ensuite avec les services des douanes algériennes. Plusieurs agents se sont tous précipités à bord de l'avion pour découvrir le sac en question. Une fois ouvert, ce sac a dévoilé, une véritable caverne d'Ali Baba, plus de 3 kg de bijoux en or et pierres précieuses ainsi qu'une grande quantité d'argent en liquide, des billets d'euros pour une somme équivalent à près de 300 000 euros, affirment certaines sources sécuritaires contactées par Algérie par ces bijoux et ces devises ont été soigneusement dissimulés à bord de l'avion d'Air Algérie dans des conditions, troublantes car sans le concours de l'hôtesse de l'air, les policiers de la pafoule et douaniers algériens n'auraient jamais pu s'apercevoir de cette tentative d'évasion de grande ampleur de devises et de bijoux précieux depuis l'aéroport international d'Algéver. Dubaï, le refuge prisé par les divers réseaux mafieux algériens. Une enquête a été rapidement enclenchée pour déterminer les complicités ayant permis la dissimulation de ce sac au sein de l'avion d'Air Algérie. Selon nos sources, les services de sécurité s'apprêtent à auditionner dans les heures à venir les membres du personnel au sol d'Air Algérie, le conducteur de la passerelle télescopique et même le pilote ou le copilote de ce vol à destination de Dubaï. Les premiers soupçons ne portent pas sur les membres du personnel navigant car le sac des devises et des bijoux se trouvait à l'intérieur de l'avion bien avant leur arrivée pour entamer les préparatifs du vol. Les enquêteurs vont beaucoup plus plancher sur le rôle que pourraient jouer dans cette drôle d'histoire les mécaniciens, des agents de nettoyage, du responsable de la passerelle ou des agents techniques. L'enquête ne fait que commencer et risque, d'aboutir à des révélations fracassantes sur le fonctionnement sulfureux d'Air Algérie dont les avions ou le personnel sont une nouvelle fois impliqués dans un nouveau scandale de trafic de devises et d'objets précieux. Rappelons que récemment, cinq stewards d'Algériens, dont un binational, franco-algérien, travaillant à Air Algérie, ont été identifiés comme étant membres dans un réseau de recel de, téléphones, bijoux et ordinateurs volés. Une enquête a été ouverte et menée par la Sûreté départementale d'île Les Vilaines en France et elle avait révélé beaucoup de détails, notamment l'origine de ces téléphones qui ont été volés en 2020 dans les villes françaises et acheminés vers l'Algérie. Une opération dans laquelle les stewards d'Algériens sont complices L'un d'entre eux a été arrêté et, quatre autres font l'objet de mandats d'arrêt lancés par la justice française qui les recherche encore activement. Pour l'heure, les autorités algériennes n'ont toujours pas réagi ou commenté cette série de scandales dont fait l'objet. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.